Si, voici Tanguy. Pas sûr. La semaine dernière, j'ai fait 5 excellentes chroniques. T'es un génie, vieux, je me suis dit à moi-même. Puis je me suis mis une claque dans le dos en me disant « Continue sur cette lancée, mon amour ». Puis je me suis caressé les fesses. Et là, Daniel Morin est passé et m'a dit « D'accord, donc moi, je ne sers plus à rien ». Alors je l'ai consolé en lui faisant sucer mon pouce de force. Il a marmonné un propos indistinct sur le consentement. Ça devient mon avis. Hein, auquel j'ai répondu « Chut ». Puis j'ai enjambé son corps flétri avant de m'arrêter devant un logo France Inter. Faut savoir que la radio en est truffée. Tous les 2 mètres ici, il y a un logo. Comme ça, on est sûr d'être au bon endroit. Même Joe Biden, qui sait plus vraiment qui il est, regarde son badge à la Maison Blanche et dit « Who the fuck is Joe Biden ?» Même lui saurait qu'il est à France Inter. Ah, France Inter, je comprends le succès de cette radio. Pas de pub, on passe Juliette Armanet et dans le blind test ici, souvent on a Sardou, donc on réunit la France divisée. Et puis les gens sont sexy, je veux dire, ça met des crèmes, ça fait du sport, ça se fait opérer des yeux, ça fait des implants capillaires. Isabelle Adjani a cherché à entrer pensant que c'était la clinique ici. Hein. Le seul souci avec France Inter, c'est quand vous y êtes, on vous colle une image. Exemple, la semaine dernière, une de mes excellentes chroniques portait sur Bernard Arnault, patron d'LVMH, qui a donné 10 millions au Resto du Cœur. Et j'ai dit que c'était super, mais qui devrait aussi payer la totalité de ses impôts. Je me suis appuyé sur des enquêtes indépendantes. Il y a de l'optimisation fiscale. C'est pas moi qui ai trouvé ça. Rien que pour trouver mes clés, je mets 3 heures et le point G, j'ai renoncé. Après, j'ai rien contre Bernard Arnault. Je suis même pas jaloux. Je pense que l'argent et le bonheur sont des choses distinctes. Un jour, j'en ai parlé à un ami qui a réussi dans la vie et qui avait l'air triste. Je lui ai dit, Nagui, qu'est-ce qui ne va pas? Il a répondu, j'ai perdu mon sou fétiche. Je lui ai dit, c'est pas Picsou qui a un sou fétiche? Il a répondu, on a le même parcours de vie. Il s'est retourné et j'ai réalisé que Nagui, lui aussi, portait une redingote et pas de slip. Bon. Bref, je mets la chronique sur ma page Facebook pour mes fans les plus âgés, donc mes fans. Et là, j'ai un raid de gens en commentaire qui m'insultent. Gauchias de France Inter, islamo de sévices publics, bobo subventionné. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une insulte sans qu'on cite la radio. Et en fait, c'est pas moi qui suis visé, c'est normal, je suis adorable. Mais France Inter, parce qu'en France, il y a une guerre idéologique. Pour certaines personnes, France Inter, c'est l'antre de Belzébuth. Et même si on mettait à l'antenne le Jordan Show avec Bardella qui fait gagner des t-shirts disponibles en une couleur, le blanc, on dirait encore que la radio est de gauche. Donc il y a d'un côté France Inter et dans une moindre mesure France Télé, groupe sur lequel Nagui et Leïla vous excellez depuis longtemps et qui a connu une renaissance il y a 10 jours en me débauchant. Et de l'autre, c'est News, Europe 1, Valeurs Actuelles qui, à l'inverse, pour nous ici, bah, il faut le dire, hein, constitue le diable. On a dû faire 900 chroniques sur Hanouna et je suis pas sûr que si j'allais voir la direction en leur disant j'ai eu Pascal Pro, il veut que ce soit moi qui remplace Gérard Leclerc, Elisabeth Lévy et moi, on a déjà sympathisé, elle m'a fait goûter sa gnôle. Bon, je suis pas sûr que ça passe comme ça. Il y a une guerre idéologique, ce qui n'est pas grave, sauf que c'est réducteur parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que 2 équipes très énervées, les gauchos, les fachos, plus 4 modérés au milieu, Bernard Cazeneuve et 3 autres, quoi. En gros, le débat public s'hystérise. On se monte les uns contre les autres, ce qui ne sert à rien parce qu'au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul. Je vous regarde trop en excès, Nagui. Je vous regarde trop. Et justement, France 2 prépare un complément d'enquête sur Cyril Hanouna, actuellement. Contre qui? Je n'ai rien. J'ai même fait « Touche pas à mon poste ». 3 mois. Les 3 premiers mois de l'émission. Puis ils m'ont dit « C'est pas pour toi, hein, parce que j'ai l'esprit festif d'une enclume rouillée ». J'ai dit « En effet, on s'est quitté sans haine, on n'a jamais cherché à se revoir. Si toutes les histoires pouvaient se finir comme ça, il y aurait moins de monde à la pharmacie pour du Xanax ». Alors après, peut-être Cyril Hanouna se tripote-t-il parfois en repensant à moi, ce que je comprendrais aisément. Il est humain. Je veux dire, à un moment, il a la tentation. Moi. Donc il est furieux, Hanouna, parce que personne n'a envie de se retrouver au cœur d'une enquête. C'est normal. Et lundi, il était sur CNews chez Morandini, qui a sorti une petite caméra en se pourléchant les lèvres. Hanouna a dit « Ah non, je viens pas pour ça ». Et il a annoncé que lui-même enquêtait sur complément d'enquête. C'est comme si un patron du CAC 40 spécialiste de l'évasion fiscale traquait Élise Lucet dans la rue avec un énorme micro. Quoi. L'émission va donc s'appeler « Enquête de complément ». Et celui qui en est chargé, c'est Jacques Cardoz, l'ancien présentateur de complément d'enquête, qui désormais bosse chez Hanouna. C'est comme si moi, dans 2 ans, je faisais l'original bande sur RTL avec des blind tests, des humoristes et tous les 15 jours en invité, Riyad Satouf. D'ailleurs, on a repris il y a 2 semaines et demie et on n'a pas vu Riyad Satouf. Je suis très inquiet. Hanouna, attention, enquête aussi sur France Télé en général. Voilà, donc moi, j'ai pas envie de tomber bêtement. Donc là-bas, quand j'y vais, j'apporte ma gourde. Si on me propose de la cristalline gratuite, je m'enregistre sur l'iPhone en train de dire absolument pas, monsieur le directeur, pas un denier public ne sera gaspillé. Je vais pas tomber pour 3 balistos hein, piqués dans le tiroir de Patrick Cohen. Mais c'est triste.
triste quand même de se retrouver enquêté sur ses ex-collègues. Je trouve, il faut vraiment avoir besoin de bouffer, quoi. Jacques Cardoz, au début de son CV, il était le juge Van Ruynbeek. Maintenant, il est Judas, quoi. C'est spécial comme parcours, hein. Donc, France Télé contre CNews, le JDD contre Inter, gaucho versus facho, islamo, bobo, plus personne ne supporte. Ce pays n'est plus qu'un agrégat branlant d'entités qui se détestent, la désintégration d'une nation. Réunissons-nous autour d'une figure tutélaire forte. Moi! Tanguy Pastureau, président.